Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec Guillaume pour faire un multi sur un jeu qui m'a l'air tellement magnifique. Alors si je vais comprendre, le jeu s'appelle... Salut. Le jeu s'appelle Powerboat VR Sport, Powerboat Racing. Donc un jeu en réalité virtuelle, comme vous l'aurez compris, sur la PlayStation 1, et oui, ça existe à l'époque. Bref de plaisanterie, un jeu de bateau. Donc ouais. Je suis juste de voir les options avant quand même, j'aimerais juste voir si... Juste on peut s'arrêter deux secondes sur le menu, qui, sur l'image de fond qui quand même... Est légèrement cauchemardesque. C'est clair. C'est quoi ce menu? En plus, j'ai une femme avec un truc en chien. De couleurs, de tons et tout, c'est vraiment chelou quoi, cette mise en lumière. C'est... Je trouve ça assez bizarre, effectivement, on est d'accord. On est un peu sur. Ah, bref, on va découvrir ce jeu ensemble. On a juste fait un test avant, mais vraiment pour 2 minutes. On va voir juste les commandes, histoire de. Donc à faire, hein. Ah, bonne idée. Un petit peu. Accélérer avec la croix, grosse glissade avec le carré, d'accord, donc c'est même pas freiné, c'est grosse glissade. Ah. Et on peut équilibrer vers le haut et le bas. Ah oui. Ah oui, d'accord, équilibrer, qu'est-ce que ça peut être ça, what? Bah, ça doit être genre d'incliner le bateau vers ouais, le un peu à la vers pas, le bas, pense, vu qu'il n'y a pas de joystick. Donc du coup, on va faire un menu précédent, là, super menu. On va faire un mode multijoueur. On va faire, alors il y a plusieurs modes tête à tête, donc tir, on verra après, tête à tête, et j'ai apparemment il y a d'autres modes, non, monocoque, on peut changer que ça, hein. Il y a que monocoque. Crétin, broché, barracuda. Alors, voilà. Tu te sens plutôt frétin, broché ou barracuda? Du frétin, du broché, ou du barracuda. Bon, on va mettre le premier, comme ça on verra un petit peu la différence. Ah bah, vu qu'on connaît pas le jeu. Alors, quelle est ta piste préférée? Le Nevada ou le New York? Brasil. Ah, c'est l'Amazonie, ils ont été encore mieux que ça. Ah, l'Amazonie, incroyable, excellent. Bon, allez, on va quand même écrire un peu notre nom sur deux. En mais... métier de vouloir modéliser l'Amazonie sur PlayStation 1, quand même. On va voir ce que ça donne, hein. On va voir si c'est mieux que la Merzone. C'est quand même magnifique de pouvoir mettre nos noms sur deux. Sur trois lettres. Ah, bah oui. Kim et Guy. Alors Kim Laser c'est pas moi, Kim Falcon non plus, Kim Arrow non plus, et Kim Bulldog non plus. Kim Pacer, Kim Stag, Kim Firefly et Kim Johnny. Non Prometheus, oh noir. Bon peu importe en fait, ça me dirait, je pense qu'ils ont tous la même capacité ces bateaux. Moi je vais prendre le plus basique, le laser. Allez c'est parti, donc c'est un tête-à-tête 3 tours, donc une course je pense, et clé frétin. Donc. Je sens que c'est les mêmes bateaux en fait, que les autres modes, mais bon, en fait ils sont peut-être plus lents, je sais pas. Alors je suis en haut ou... Prêt. Non, je suis en bas, je crois. Ouais, t'es en bas. C'est oula. Parti. Oula, alors ça, je sens sur 98. Waouh, cette maniabilité. Je crois que c'est édité par Interplay, j'ai même eu le temps de voir le... Ok. Ah oui, effectivement, on peut gérer le niveau de hauteur, en fait, du bateau. Avec R1 et R2... Alors je sais pas du tout à quoi c'est ça. Comment tu traces? Ah oui, si, ça va servir pour revenir de l'eau. Je crois qu'on a sauté. Alors, l'aliment, bon, le début, j'ai envie de te dire, mais il est pas si dégueulasse que ça quand même. Je trouve ça un peu chaud quand même. Hein. Oui, bah après, on débute en même temps. C'est comment pour changer la caméra déjà? Bon, ça va être triangle, non? On select peut-être. Ouais, je suis passé dans un. J'ai l'impression qu'on pisse. Tunnel. Alors je vais augmenter la hauteur du bateau, je vais retomber. Oh là, parfait. Ah ouais, le tunnel. Donc là, on est dans l'Amazonie. On va voir si je lève le bateau, qu'est-ce qui se passe? Non, je crois qu'il y a une différence entre les bateaux, moi, maintenant, du coup. Hein, parce que j'ai pris le plus basique et t'as pris le dernier, vu comment tu me traces. Ouais, mais comme il y a trois classes, peut-être que t'es trop vers le bas, en fait. Après, j'évoque une erreur, hein, donc vu que je fais qu'accélérer, je pense. Ah ouais. Je sais pas comment t'arrives à jouer, j'ai trop du mal avec la maniabilité. Ah ouais, la maniabilité, bon, elle est. Non, ça va, je trouve qu'elle est assez normale. Bon, donc là, on est en Amazonie. Une Amazonie qui me faut un peu changer quand même, hein. Je pense que. C'est après la déforestation en fait. Ouais, c'est ça, il y a plus rien. C'est l'Amazonie en 2048. Ouais, à savoir qu'en 2048, ils ont encore des 8, hein. Genre, ça craint un petit peu pour le futur, mais bon. Ils ont encore des quoi? Ils ont encore des 8. Ah oui. Et ils font toujours les trucs en rondin de bois, donc bon, à mon avis, ça s'est mal passé entre temps. Ça, ils le feront toujours, ça, c'est leur culture. Bon, évidemment, on joue un contre un, dommage, j'ai pas d'IA. Et ah, si, non, pas non, plus,
Ça me fait penser que j'ai regardé hier le film de l'expédition de Mike Horn en Amazonie, ça n'a rien à voir, mais Je crois voilà, qu'on a tous ça m'y fait vu cette penser. recommandation, hein. J'ai eu la même sur YouTube il y Ah mais c'est a trop un bien, jour par contre moi avant. j'ai vraiment kiffé quoi. Cap Horn, Ce mec est incroyable. je crois que c'est le plus endroit plus dangereux d'ailleurs le Cap Horn. Mais non, Mike Horn. Ah Mike Horn. Oui mais il fait pas le Le tour du. Cap Horn. Mais il fait Il pas est du con. bateau, c'est pas le mec en bateau. Mais non, mais si, mais en fait, il a fait à la nage en fait avec un espèce de flotteur qui s'appelle un hydrospeed. D'accord. Genre, en fait, il a traversé toute l'Amazon à la nage, le mec, enfin, c'est un truc de fou. Toute la quoi il a traversé? Ouais. Non Toute mais l'Amazon. toute l'Amazon, d'accord, mais il est pas mort Ouais. le mec, genre les crocodiles, il y en avait Non, non, il plein est pas tout. mort. Mais il disait, mais le mec, genre, mais franchement, faut le voir le film et tout, et faut écouter son récit parce que c'est incroyable. Y a pas deux hommes comme ça sur Terre, quoi. Le mec, c'est un aventurier de fou, quoi. C'est le vrai Nathan Drake d'Uncharted, voilà, il existe, c'est lui quoi. Là, ça fait On les penser. flingue en moins et les meurtres en moins, voilà. Mais... Ah, ouais. Ouais, bah du coup, c'est sur YouTube, hein, si. Oui. Oh, C'est dans le domaine public, tout à fait. ah, là, là. L'Amazon, je pense que C'est pas merveilleux tu tombes dans le le 21e siècle. fleuve ou etc., tu dois pas faire le fier, je pense. Mais il expliquait qu'en fait, au milieu du fleuve, ça va. Mais c'est sur les bords en fait que ça craint parce que c'est l'endroit où la vie terrestre et la vie marine se retrouvent en Rencontre. fait et où là où les trucs de l'eau ils peuvent bouffer les trucs de la terre et là où les trucs de la terre ils peuvent boire tu vois donc du coup Oh putain je suis dans un temple maya là incroyable. Alors, Temple Mayan, ouais, je sais pas, parce que c'est quoi, ouais, tu me diras aussi. Hein, Oui ou voilà. Aztèque ou Anunnaki ou bref. Peu importe. C'est Tiki. des trucs d'Amérique du Sud. Voilà, quand on est en train de prendre le Covid à pleines dents. Ah, comment tu Passage. traces? Ouais, par contre, je t'avoue qu'au niveau challenge, il n'y en a pas beaucoup là. Ah bah ouais c'est sûr, moi je suis. Moi par contre il y en a Ils font des pubs pour des donuts en plus. Ah ça donne faim. Distributeur Vous de aussi bagels, un distributeur de bagels chez avec des vous chapiteaux quoi. consommer pour relancer l'économie, c'est très important. N'hésitez Le petit pas. message. Petit message de cette vidéo. Allez, allez, on prend son petit portefeuille, là, on va acheter des trucs. C'est très long, hein. La vache. Il est C'est vrai que premier, c'est long. mais. Ouf, Bon, les tours, plus c'est 1h30. long, plus c'est long. Plus c'est lent, ouais. Par exemple, dans d'autres Plus c'est circonstances, long, plus c'est ça aurait été bien, mais là. Meilleur tour! Meilleur Oh là tour! là. Ah bravo! Champion du monde! Ouh, apparemment, on aura ça Incroyable. aussi comme bot. Ah, j'aime ce genre d'infographie là de chargement. Ah là là. Félicitations, Kim! Par Tu contre, es vaincu! le côté JPEG de fond en basse résolution avec les effets d'eau là, c'est vraiment kitsch, mais au possible, j'ai Ah jamais vu un oui, truc aussi bah ouais, même en kitsch. 98 c'était déjà plus à la mode, mais bon, c'est. C'est comme ça. Hein. Alors, on va pas refaire la course parce que c'était potentiellement. Déjà C'était. à Enfin. l'époque, c'était illégal quoi. Je sais pas ce que tu penses déjà du jeu, je le trouve ultra plat. Alors, après, souvent, les modes de joueurs, c'est vrai que sur Play 1, qu'il y a beaucoup de limitations, c'est difficile d'avoir un truc forcément fun à la base, mais bon. Moi je dis la prochaine course c'est moi qui prends le Prometheus. On va essayer le mode tir, tant qu'à faire. Ah ouais, qu'est-ce Bon, que je ça prends le peut être le mode Barracuda, tir? on va voir un peu ce qu'il y a, et on va prendre la Russie, peut-être qu'il y aura de la neige. Enfin, ça Ou le dépend, hein, parce que Japon dans après, prends le 2050. Japon après à la prochaine. On peut faire en même temps. Ah, c'est intéressant tout ça. C'est Voilà. révolutionnaire même. De toute façon, on ne gagne pas trop de temps sur la vidéo, sinon je ne pourrais plus mettre les publicités en dessous de 10 minutes. Allez, bah tu vois, c'est les mêmes en fait, hein. Vol, mais. Je vois pas trop la différence. C'est peut-être la vitesse, hein, c'est peut-être comme dans Mario Kart, c'est les centimètres cubes du bateau. Non, c'est moi qui prends le premier dé. Si tu veux, je prends le Firefly. Comme ça, là, si je gagne, on saura que. Au moins, on saura que les bateaux ils veulent dire quelque chose, quoi. D'accord. Parce qu'il n'y a aucune stat affichée, il Oui, n'y a rien écrit, y c'est a vrai rien en fait. que. Pas du tout. Par contre, tir, c'est quoi? Ah, ben alors là. Bonne question. 3, Cette austérité. 2, 1, partez! Casse-toi! Ah oui, c'est vrai qu'on va faire carré aussi pour tourner. Il y a un Ah! hélicoptère soviétique. Ah! Russe, pardon. Oh, Non, il y a même un mec qui. Il y avait un Kim! Ouais, mais camion, c'est quoi! super chaud! C'est super tendu! Wouhou! Vous êtes en
ça, il y a des sensations quand même. Ah là, pas mal, ouais, effectivement. Le framerate était à 12 FPS, mais... Vous ne passerez pas, monsieur. Oh, c'est un peu le jeu, mais si je passe, je suis ultra agressif. Oh putain, et je me mange les murs, c'est fini. Et voilà, fin du game. Oh non, il est repassé lui aussi. C'est super tendu, hein. Il est où, là? C'était pas là. Contre sens, non. T'as fait la même bêtise que moi. Toi, t'as fait ça aussi? Ah bah ouais. Ok. Bah, le contre sens, non, mais me planter dans le virage aussi, je l'ai complètement fait. En fait, je ne fais que prendre tous les virages. Totalement. En tout cas, la map, là, mine de rien, il y a pas mal de décors, quand même. Hein. Relâché, quand même. Je dois gagner pour mon honneur. Sauf que là, par contre, on découle aujourd'hui. Toujours peut-être une légende. Quoi? Alors en fait, tir, ça doit vouloir dire, ouais, ça doit être une mauvaise traduction, à mon avis, ça doit être genre one shot, genre one shot, un truc comme ça, quoi. D'accord. Genre, je sais pas, genre. C'est bizarre, mais je pense. Essayez encore, pas de chance, Guy. Appuie sur select par contre. Appuie, avance. Par contre, on va faire des tirs à chaque fois, parce que comme ça, on fera tous les niveaux plus rapidement. Menu principal. Au moins, ce niveau, il est un peu... Moi, en fait, je croyais que c'était le jeu de la démo PS1 avec les bateaux, là, mais en fait, c'est pas du tout ça. Non, non, je crois savoir le jeu. C'est pas du tout pareil. Je suis extrêmement déçu. C'est ça qui est bien. Pour moi, c'était pas prévu. Bon, je vais prendre un brochet. Un brochet, ouais. Mais le Japon, Très bien, très bien. On devrait faire le concours de celui qui écrit son nom le plus vite, en fait. Je vais prendre le laser bois. Le laser bois. Le laser, et moi, le laser je prends l'autre, et là, on va voir. Et on va voir, il va faire ça toutes les courses. Alors qu'en fait, on a bien vu que c'était la même chose. Je pense pas de perdre. C'est vraiment bien quand je te battais sur Tony Hawk, là, ça me manque. En tout cas, le studio Prometheus, à mon avis, ils ont eu qu'une chance. Ils ont eu un tir et après ils ont fait faillite, quoi. Parce qu'à mon avis, on les verra plus. C'était un tir, c'était un one shot. C'est ça. Alors, non, au Japon, là, on reconnaît bien, effectivement. Allez, salut. Ah, tu vois, t'as vu comment je t'ai tracé dans l'île? Ah, mais je me suis loupé, en fait. Ouais, c'est ça. Regarde, c'est celui qui est premier, là. Hein, oh merde, oh merde. Tu vois. Voilà. C'est parfait. Bonne foi dans toute la splendeur. Non, je trouve qu'au niveau des corps quand même, bon, on a deux joueurs, hein, faut vraiment pas l'oublier ça, ce qui fait qu'en général on perd beaucoup de détails. Franchement, ça va quoi. Je sais, c'est passé, j'ai écouté la radio et il disait qu'il y avait un accident sur la nationale. Oh oui, t'as la musique derrière. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui sur Antenne 2, la mort de Mitterrand avec. Le coronavirus. Non, mais ça sert, même le drapeau il bouge. Ils sont animés ouais, sur le un tunnel, GIF, le tunnel technologique. Oui, t'as vu les textures. Eh, franchement, là si on n'est pas presque dans Wipeout quoi. Ah bah oui, on a une peluche là, ça. Ils aiment bien mettre des peluches, un truc japonais. Quelle année est sorti ce jeu, Kim? À chaque fois qu'on allait sur Wipeout, c'était pareil, il y avait une peluche quand t'étais dans un univers un peu avec des logos japonais. Ouais, c'est français, c'est SSX aussi. Ouais, il y a des tours de piste au Japon, t'as vu? Je savais pas que c'était comme ça le Japon. C'est vraiment comme ça, Kim? On m'en avait fait un tableau, mais non. j'ai pas trop fait du bateau à toute vitesse dans les villes de Tokyo, dans la ville de Tokyo, mais bon, après. Bon. Bah, de chance, Guy. Oulala. Coup dur. Bon, les niveaux, franchement, sont pas si mal quand même. On va au moins lui faire cette faveur là, mais c'est vrai que bon, après, ça reste moyen. Ça sera pas le jeu le plus passionnant du monde. Ça va. On va faire encore un tir. La musique du menu, quoi. On dirait presque un thème Kid Paddle. Ouais, on dirait qu'il est en saturation. Avec ce genre de... Ouais, c'est ça. Ce genre de fausse saturation. Là. Allez, je te laisse choisir un niveau. Monaco, hein. Ah bah oui, ouais, Monaco, évidemment. Logique. Mais du coup, comment ça va se passer? Parce que Monaco, je vois le Grand Prix de F1, mais... Je vois pas le Grand Prix de bateau, quoi. Ils ont pas de canot à Monaco, comment ça va se passer? Bah figure-toi que dans l'univers d'Acclaim, oui. Dans l'univers de VR Super Sport Power Boat... À toi. Tout est possible. Ah.
Mais regarde, en plus, ils ont même pas fait l'effort de faire vraiment des couleurs différentes. Celui-là, c'est le bateau Benetton. C'est presque ça, c'était presque ça. Monaco, on va voir si c'est vraiment photoréaliste. Ah, c'est ressemblant, hein. On a l'impression d'être sur les berges de Monaco. Ouais, après, franchement, quand on voit la conférence PlayStation 5, c'est pas plus mal, hein. Ah bah là, on voit ce que... Ça permet de se rassurer, en fait, j'ai envie de te dire. Voilà où on est, et voilà où on était à l'époque, quoi. Pourquoi acheter une PlayStation 5 quand on a ça? Évidemment, franchement, je veux dire, c'est tout... Moi, je vois pas la je pense que les gens qui nous regardent doivent être en train de bader sur ce genre de jeu, quoi. Bah, se oui, dire, mon Dieu, mais... C'est donc ça, le passé? Oui, pas besoin de retracing, quoi. Non, mais regarde l'eau, bon, j'ai toujours compris rien. Bon, l'eau est correcte, quand même, hein, franchement... J'essaie de trouver un défaut parce qu'après ça reste un jeu, voilà, enfin dans le thème. Mais tu me laisses pas le temps de trouver des défauts avec tes courses qui durent 2 secondes. On va mettre 3 tours sur le circuit si tu veux. Les skybox sont un peu pixelisés, j'avoue. Les textures des immeubles sont pas folles. Oui, mais on est en mode de joueur. Amy, si tu veux, ce qu'on peut faire, je te propose, c'est qu'on passe en un joueur juste pour voir en moi. Oui, vas-y. Une fois le jeu, vas-y, fais ok. Une fois le jeu. Ah oui, pardon. Une fois le jeu. Comment il aurait dû être vu. Bah oui. Et voir si on, voilà, si on avait raison. Ou si... Bon, vu qu'apparemment il n'y a jamais eu de suite. Je pense que vous connaissez déjà la finalité, mais bon. C'est parti. Là, joueur, on va c'est faire. Comme tu disais tout à l'heure, il y a eu un. Le studio là, ils ont fait un essai et puis. C'est terminé quoi. Ouais, c'est leur seul truc quoi. Allez, on va faire juste une course, on va pas en plus. Attention à ce jeu qui peut-être le mérite, ah, mine de rien, mais. T'as la maîtrise quand même, hein? Pourquoi? Moi, je peux dire aux gens quand même que le jeu est assez dur à prendre en main quand même. Mais d'accord. Toi, t'as pas galéré direct à. Non, en fait, parce que c'est le genre de jeu que j'ai joué avant, je sais pas. Ouais. T'as l'habitude de jouer à des jeux de F1 sur PS1 aussi, aux flèches, oui. Quoi. Moi, j'ai pas du tout l'habitude. Alors, il y a une tentative apparemment, 5 tours. Ah! Et là, du c'est coup, on voit qu'il y a, du coup, il y a 5. Alors, bon, les graphismes, alors là, c'est grosse déception. Je vois pas beaucoup mieux, mais bon. Par contre, franchement, il y a de l'eau qui est animée au niveau de la géométrie. Et ça, oui, sur PlayStation 1, c'est quand même balèze. Hein. Quand même si ça ressemble à des pyramides, c'est pas juste des. Oula, c'est pas juste des splashs. Non, franchement, c'est. Ah bah, comparé à d'autres jeux du même style, oui, effectivement, la texture de l'eau, ils l'ont quand même beaucoup plus abouti. Quatrième. Cette espèce de fausse réflexion aussi qui est présente, qui est pas incroyable, mais qui est présente. Ouais, c'est correct. Par contre, on peut voir que c'est le tracé du circuit en bas, à gauche. Ah oui. Pour un peu nous aider, mais je t'avoue franchement que le temps de réaction il est tellement bas. C'est pas que, lisible, ouais. C'est pas lisible. Compliqué. T'as pas le temps de le voir en fait. Ah, je suis dernier, ils m'ont mis avant au calme. Donc, t'as un copilote, la prochaine à droite. Là, ça va s'élargir, jump. Attention, ça va s'élargir encore, prochaine à gauche, léger. Ah là là, dur. Ah ouais, bah, par contre contre l'IA on fait moins les mains à hein. Gauche, ouais. Non mais alors si il y a quand même pas mal de clipping, ça c'est un petit peu dommage, mais bon non, c'est après vrai. Les graphiques, bon ça... C'est un peu enfantin, enfin un peu... C'est pas très propre, voilà, on va dire au niveau du texturing, mais après au niveau du nombre de tailles en jeu c'est quand même pas mal. N'importe quoi. Mais on sent qu'ils ont voulu mettre beaucoup de détails sur la texture, mais que la résolution du gameplay. Ouais, et puis la framerate était pas top. Non. Ouais. Par contre, là, vraiment, c'est galère. Hein. Ouais. C'est galère. Pas forcément de pas se planter, parce que. Mais l'IA a l'air super forte. Ouais, faut voir si elle est sur des chemins, sur des rails ou sur des. Sur des trajectoires dynamiques. Mais je pense qu'elle est sur des rails, du coup, vu la vitesse où elle va. Attends, je suis un petit peu, mais... Ouais, j'ai pas l'impression quand même. Enfin, là, franchement, je fais 9 secondes du dernier, quoi. Après, je suis pas tellement doué. Bon. Première fois qu'on joue au jeu, hein, aussi. On découvre un petit peu en même temps que vous. Voilà. Ouais, alors, effectivement, j'ai oublié comment on peut pointer peut-être un petit peu en avant ou en arrière le bateau. Peut-être qu'il faut être dans une certaine configuration pour que ça aille vite, je sais pas. En fait, logiquement, je pense que ça doit être par rapport à ce que je connais des powerboats, ça doit être pour des courses où logiquement il doit y avoir des endroits où il y a des vagues et des endroits où c'est plus plat en fait. Les endroits où c'est plus plat, tu te mettrais plus à plat, tu vois. Ouais.
Et les endroits où il y a des vagues, tu te mets en arrière pour justement pouvoir les encaisser, quoi. Et bien, de faire. Samrak a eu deux trois victoires. Ouais, c'est vrai qu'il y a des raccourcis. Pas trop pris le mauvais. La même trajectoire que tout à l'heure. Bah, je suis quand même à 8 secondes, hein, sans déconner. Bon, après, parce qu'une fois qu'on connaît le circuit par cœur, ça va mieux. Bon, franchement, le jeu, bon, ça vaudra pas un 10 sur 20, on est d'accord, mais bon, disons qu'il y a eu vraiment pire. Qui a dit ? Vous courez en sous-marin ? Ouais, effectivement, j'ai l'impression. Oh, il y a le commentateur aussi, c'est ça. Allez, record du tour, on se demande comment j'ai pu faire encore le tour. Mais c'est texte word art quoi, genre. Ouais. Ils sont immondes. Ouais, puis les textures un peu anarchistes aussi sur certains murs là, c'est assez peur. Ouais. On sent quand même que c'est un jeu indé un petit peu, hein, quelque part. Je sais pas si avec Clem on peut dire hein. Ça comme un jeu comme indé, mais bon. Bah, c'est un petit peu le jeu indé de l'époque, quoi, quand tu vois que les mecs ont mis des polices word art, des trucs comme ça et tout. Ah oui, dans ce sens-là. D'ailleurs, moi, je pensais à un truc, mais c'est le genre de jeu qu'on ne voit quasiment plus maintenant. Ouais, dernier jeu que j'ai vu jouer à ce jeu, c'est Riptide sur Android. Et... ah oui. J'en vois plus trop. Enfin, je sais que par exemple, pour la 64, il y avait Wave Race qui était pas mal. Sur PlayStation, il y en avait pas mal qui sortaient. Bah c'est vrai qu'en fait je pense que c'est dû au fait que vu que t'as des jeux maintenant comme GTA, Watch Dogs, etc. où t'as carrément accès à des courses de jet ski dans des univers immenses et tout, bah et peut-être que ça fait un peu concurrence quoi. Ouais c'est pas. Il y avait aussi Splashdown sur PS2 d'ailleurs. Ah oui ça me dit quelque chose. Style. Et c'est le genre de jeu en fait qui à l'époque était utilisé surtout pour le côté comment dire technique. C'est-à-dire que souvent, vitrine technologique, quoi. Voilà, le fait de montrer l'eau ultra bien faite, etc. Ouais. C'était vraiment. Ah, mais c'est vrai que Wave Race, je crois que c'est sur Nintendo 64, c'est ça ? Oui. Ils avaient fait une version GameCube aussi, qui était assez incroyable au niveau de l'eau. Il y avait une vidéo de Digital Foundry sur le sujet, etc. Où ils détaillaient les effets, qui étaient vraiment hyper malins pour l'époque parce qu'il fallait réussir à faire des effets convaincants, mais en utilisant le moins de mémoire et de processeurs possible. Et les mecs, ils y arrivaient. C'était des magiciens, c'était de la magie noire, quoi. Ouais, voilà. Mais après, c'est l'avantage de jeu aussi, suivant. C'est pas un jeu qui demande beaucoup de décors, en fait. Une fois que t'as réussi à animer l'eau, bon, bah, le reste, il pleut. Ouais. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, de toute façon. Donc, c'était. J'ai encore oublié le nom du jeu, évidemment. VR Super Sport Powerboat Racing ou quelque chose comme ça. Ouais, VR Sport Powerboat, je crois que c'est ça. Je fais n'importe quoi. C'est le circuit en plus, j'ai l'impression de faire, non ? Et ce n'est pas un jeu VR, du coup. C'est pas un jeu VR, voilà, grosse déception. On a beaucoup aimé y jouer en VR. Non, mais je pense qu'un jeu de bot comme ça en VR où t'es en mode cockpit, ça peut être quand même pas mal. Un peu comme un ça jeu de... pourrait. Un peu comme un jeu snowboard d'ailleurs. En VR, toi qui es d'ailleurs. Oui, tout à fait, effectivement. Donc voilà, bon, on va cesser là-dessus. Un jeu, bah, ma foi, bon, moyen, on va dire ça comme ça. Ouais. Dire ça comme ça. Pas ouf, mais bon, ça va. Ça nous aura fait une petite demi-heure. Voilà, on aura découvert un truc. Allez, je vous souhaite à tous bah, une bonne soirée, bonne journée, et à une prochaine, et merci Guillaume, d'habitude. Des bisous, à la prochaine.